madu miyote soso tawa premier artire pular ma miyote français mi artire pular donc ande non la maritan seda donc ara toujours si je din mo marden hande no mari importance mo ya wana seda donc le sujet que nous avons aujourd'hui ont de l'importance. Je vais d'abord parler sur la libération des responsables de l'UFDG. Vous savez, Fonike Mangue a été arrêté avant les responsables de l'UFDG. Honorable Sellou Balde, honorable Chérif Ba, honorable Ousmane Gawal Diallo, maire Abdoulaye Ba et M. Étienne Soropogui, je pense, ils ont été arrêtés en un moment, c'est que dans la même semaine. Maintenant, le problème, comme vous le savez, Alpha Condé, lui, pour vivre, il faut qu'il divise les Guinéens. C'est comme ça qu'il peut vivre. C'est comme ça qu'il peut vivre. C'est comme ça, c'est ça sa politique. Au diviser les Guinéens, c'est wawa, what the politique. Il y a 2010 que nous avons dit les Mako. C'est ça son travail. Maintenant, aujourd'hui, au Libéry, quatre responsables de l'UFDG, quatre personnes. Il a libéré ces quatre personnes-là. Ils sont tous peuls. Il les a libérés. Vous savez, c'est pourquoi il a libéré Chérif Ba. Il a libéré Maire Abdoulaye Ba. Il a libéré Honorable Sellou Balde. Et il a libéré Honorable Ousmane Gawa Diallo. Vous savez pourquoi? C'est pour peut-être, pour une fois encore, salir l'IFDG. Pour dire peut-être la direction nationale de l'IFDG. Se préoccupe pas de la situation des autres qui sont là-bas en prison, comme Étienne Soropogui qui est malade, comme Founiké Mangue, comme Bogos et autres personnes. Donc, vous le savez très bien, l'UFDG est un parti national. Même l'UFDG a condamné, certes, elle s'est réjouie de la libération, de nos cadres, oui, mais elle a également condamné le système divisionniste d'Alpha Condé pour isoler l'IFDG. Il a libéré bon, les cadres qui ont les noms de famille Peul pour dire, maintenant les gens vont dire, ouais, c'est peut-être que les populations vont penser que c'est les Peul seulement donc, qui ont été libérés, c'est eux qui, je ne sais quoi, quoi, quoi. L'IFDG a condamné ça fermement, que les gens comprennent, parce que je suis l'actualité guinéenne. Je sais ce que les perroquets du RPS Arc-en-Ciel disent. Nous connaissons très bien. Nous connaissons très bien. Donc, Étienne Soropogui est en prison. Nous avons plus de combien de personnes en prison? Maintenant, ici, le cas de Fonike Mangue, il continue de faire des propositions à Fonike Mangue. Il faut demander pardon à Alpha Condé si tu veux ta libération. Tu demandes pardon à Alpha Condé. Mais la femme de Fonike Mangue est restée sereine. Oui. Donc la femme de Fonike Mangue est restée déterminée. Et elle a dit la vérité à Alpha Condé. Que Alpha Condé veut tuer son mari. Alpha Condé veut tuer son mari. C'est ce qu'Alpha Condé veut. Maintenant, regardez maintenant. Étienne Soropogui, Bogos, Fonike Mangue, Ismaël Condé et qui d'autre? En tout cas, les autres qui sont là-bas maintenant, ils veulent les révolter contre l'IFDG pour dire que vous avez vu, c'est les peuples qui ont été libérés, des trucs comme ça, d'autres personnes qui ont accepté qu'elles écrivent Alpha Condé pour dire pardon, ces personnes ont été libérées. Madik Sans Frontières, Souleymane Condé, et mon frère Djabaté, etc. Vous voyez, maintenant Fonike Mangue, lui, il n'a pas accepté d'écrire pardon à Alpha Condé. Il n'a pas Alpha Condé yo mounyo au Congo, il n'a jamais. Oh, il n'a pas Alpha Condé yo mounyo. Même s'il va mourir en prison, qu'il ne va pas demander pardon à Alpha Condé parce qu'il n'a rien fait de mal. Il ne fait que. C'est qu'il ne faisait qu'exprimer son opinion parce qu'il est guinéen. Maintenant, les autres ethnies sont là-bas. Alpha et son clan ont libéré les personnes qui ont les noms de famille Peul, qui sont de l'ethnie Peul, pour dire, ouais, maintenant, la famille des autres prisonniers qui sont là-bas, les Ismaël Condé, les Fonike Mangue, si les membres de leur famille
réellement ne sont pas des gens qui réfléchissent, je vous jure, ils vont dire, ouais, ouais, maintenant vous avez vu, les appels ont été libérés. Mais ça ne marche pas. Nous sommes là, l'UFDG se bat pour toute la Guinée. C'est Loudal N'Diallo. Si vous entendez, c'est Loudal N'Diallo. C'est toute la Guinée. C'est Loudal N'Diallo, comme j'aime souvent le dire. Il n'appartient même pas à sa famille. Il appartient à tous les Guinéens. C'est Loudal N'Diallo. Est pour toute la Guinée et non pour une seule communauté. Que cela soit très clair, que les gens comprennent ce système d'Alpha Condé pour dire qu'il veut isoler l'IFDG. Alpha Condé n'aura jamais ce kilo d'isoler IFDG. IFDG ne sera jamais isolé. C'est moi qui vous dis ça. Alpha Condé, depuis 2010, il a tenté 50 000 fois pour isoler IFDG. Ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. L'UFDG ne sera jamais isolé. C'est Loudal N'Diallo ne sera jamais isolé. Je vous ai dit en bon soussou et en bon poulard. UFDG cranara. Ignera ma fomire ignorama. Imunera ma fomire ignorama. Alors on a l'autoroute. Et des ragbaka ni renafla. Irakbaka. Amunyarama autoroute ma. Les autres véhicules vont passer sur l'autoroute. L'UFDG c'est comme ça. C'est une autoroute. Tu passes sur l'autoroute avec. Ta voiture 4x4, tu ne passes pas, les autres véhicules vont passer. L'IFDG, c'est comme ça. Personne ne peut isoler l'IFDG. Que cela soit très clair. Pour le dictateur et pour les amis et les entourages du dictateur criminel Alpha Condé, que notre parti, l'IFDG ne sera jamais isolé. Je ne suis pas Peul, je suis Soussou de Kindia. Je suis Soussou de la Basse-Guinée. C'est grâce à l'IFDG, tout le monde parle de moi. C'est pourquoi j'aime dire, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me garder longtemps et pour toujours à l'IFDG. C'est que l'IFDG, c'est ça, il y a les malinqués là-bas à gogo, il y a les soussous là-bas à gogo, il y a les peules à gogo, il y a les forestiers là-bas à gogo. Maintenant, pour Alpha Condé, il veut isoler. L'IFDG n'est pas l'UFR, mon frère. Alpha Condé, le vieux dictateur criminel, le vieux bandit. L'IFDG n'a UFR. IFDG, ce n'est pas UDG de chef de file de Mamaya. De chef de file de Mamaya. Adjou Nebe, vous. Adjou Nebe. Man, je suis en direct comme ça. Luma no no, what? Je vais le. Je vais le. Luma nani. Adjou Nebe, ton. Voilà, excusez-moi un peu. Donc, l'IFDG, il nous gole, ben, diviser l'IFDG, ben, wawata. Contrôle 100% IFDG, réunion des plateformes de soutien à IFDG, sous la vigilance de l'honorable Ousmane Gawa Diallo et de Moral Diallo. C'est Loudal N'Diallo le sauveur. Ah, ok, voilà, copie, t'as pas bien un mur de silence. Allez. Baro Sony, je remercie l'artiste même qui a chanté la musique là, Ibrahima Fofana. Tellement que Dieu sait faire les choses, wallah billahi. Vous voyez, je suis en direct, quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un m'a automatiquement appelé, certainement vous avez écouté le son. Ça, la musique là, c'est pas un peu qui a chanté ça pour ce Loudal N'Diallo. Ça, c'est maçonnerie. La musique là, c'est pas un peu qui a chanté ça pour ce Loudal N'Diallo. Ibrahima Fofana et Oumar Cissé, ils sont tous des malinqués. Que c'est Loudal N'Diallo le sauveur. Allez-y, attendez, après ça, je vais partager le lien. Vous allez voir, vous pouvez télécharger la musique sur YouTube. Donc, pour dire, si vous écoutez la musique, pour ceux qui comprennent le soussou, et ce qui est le malinqué, vous allez comprendre ce que les mecs disent. Que ne déteste pas quelqu'un parce qu'il est peul. Alpha Condé, son clan déteste c'est Loudal N'Diallo parce qu'il est peul. Ou ben, c'est qu'il ne regarde pas parce qu'il est peul, non. Regardez d'abord sa vision pour la Guinée. C'est ça la force de c'est Loudal N'Diallo. Sa vision pour la Guinée. Donc, arrête qu'on nous m'y Ben, wawata, ben mara 1 kilo. Gila 2010, ben guerre de fil divise goli FDG. Ben wawata, na hande hande, ben wawata dundon. Na hande Alpha Condé wawata dundon. Mais ala ni dictateur unko. Kanko mo fanda ni me mo fanda ni FDG wallahi billahi akunde Allah mi wade sim geni do joni mi wade video go kadi mi monta
mi holla on kadi e on video don suivant video on kadi wonbe warde bibbe guinéen partager video ngo maximum haré toujours nafi mo honon tum partager haré be fobbe wawa yide parce que den andi ko dum do mare ko dum non woni dole men den partager ka groupe aji fof yalla parce que communication on wallude moja be essayé non corrompu gol yimbe ben ko no be wawata min non ko itatalanka FDG ko Allah subhanahu wa ta'ala tun ko fidum don ko on Allah subhanahu wa ta'ala mi toroto mi inna yube accan FDG ha boya juutay kadi pour toujours ta Allah hollan lawol harako tawata ko jamfagol FDG yalla danda non non ko jamfagol selludal en jallu ta Allah hollan on lawol don ba neddo ko dum benata l'on propose de disposer la nature s'impose hari frère Madik sans frontière hari mo gano o yewtena prrr ko nande ande ko onto woni minania o désactiver page makko donc hari min mi torki Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah andi ko rata jango yo Allah accan kay yebde sin ha boya jutata Allah wadu on ide ka hore an ko jamfata sello dale njallo ta Allah hollan lawol jamfo yebde sin e million be yebde sin militant c'est que be million militant YPG mi turki Allah subhanahu wa ta'ala donc garay s'il dit way morlay sila to at tes incommandeur mi ala ni be min ko min la golluden la la mari salaire ko buri salaire babbe mabbe pon na gotum na gotum de min mi habata ko en gol ko YPG ma direction parti on adana morlay sila mbodi jamais de la vie aucun membre de la direction de l'YPG ne peut dire way minaba ni morlay sila dum do ka direction non jamais pa min golle ande mi joki la ngandi ko mi woni wadde ande ba c'est que mi ala ba o selu dole njallo parce que inde mabbe ko selu dole njallo non non la mbaw mabbe parce que la ngandi ko gaynobe be gaynay be gaynay be wawe avance de len dil bibbe guiné yalta e tempéré ko dum non woni objectif an mon ba o selu dole njallo donc dum don non itugol lan don itugol lan don Allah subhanahu wa ta'ala petto wa ta'ala itto de don bayam mi welaka la mi nyama e be jeune jandin c'est que mi nata wawa la nduma ne dun don no ya non fami an nduma naki ko laki alpha conde fami an ko laki rpz arc-en-ciel rien de tout sana ni fami an ko mi mor la isilla nena mai babe ngam wura kono mama sora no ton fami patia noton minira bambe noton jajan noton nenan tosoko be noton sana ni fami on ko mi mor la isilla ami nga ay goto wawata wonde ka rpz kan wata wonde ka rpz parce que men si la yidi selu dalen jallo ko enande est ce que nene goto an billahi même si c'est mon frère ou de même si c'est ma sœur j'ai des frères de lait j'ai ma sœur de lait même si c'est ma sœur qui dit aujourd'hui que c'est passé l'eau d'aller jalla mais c'est fini c'est pas un petit Mamadou qui va dire que c'est pas je ne peux pas cheminer avec quelqu'un qui n'aime pas l'eau d'aller jalla mi mara on tando ya du golé goddo moy da c'est l'eau d'aller jalla are on tiga tampin c'est que en non non en ngare na vision gotun quoi nous donc ko ka jija ngan woni quoi ko non mi woniri sa ni na c'est l'eau d'aller jalla mon frère are toujours dabbo ko yara minni ko mi acalon nene gotan mi acalo pati ma mama soran ben fona ful benon be foko sosobe o be manin kabe kono mi koni la c'est que moi je suis 100% guinéen ce qui dit aujourd'hui que je suis peul c'est avec une grosse fierté moi je vous ai dit vous qui dites que je suis peul aujourd'hui j'aime ça que vous me dites que je suis peul ouais moi je défends toute la Guinée je suis derrière un homme national c'est l'oudalen diallo voilà dun non yo laban jama on c'est pour dire à tout le monde qu'Alpha Condé n'a pas ce kilo pour déstabiliser l'UFDG il a libéré les cadres de l'UFDG certains cadres de l'UFDG qui sont de l'ethnie peul pour dire ouais c'est le peul qui sont là non ça ne marche pas chez nous ça ne va jamais marcher il a laissé les autres responsables de l'UFDG et de l'ANAD qui sont de l'ethnie de, bon qui sont des autres ethnies tout ça il fait ça donc ils n'ont pas en tout cas
ce kilo de déstabiliser l'UFDG. Je vous jure, Alpha Condé n'a pas ce kilo. Alpha Condé, le vieux dictateur criminel, le vieux malhonnête, il n'a pas ce kilo de déstabiliser l'UFDG. Vous avez vu aujourd'hui, la Guinée se limite au port autonome de Conakry. La Guinée se limite au port autonome de Conakry. Si Alpha Condé invite un président, d'abord le président même pour venir en Guinée, Alpha Condé va chanter, chanter, fatiguer, message, 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 message. Jusqu'à ce que le standardiste de ce palais ou de ce président s'embrouille quoi en un mot. Pour dire s'il te plaît, viens, 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 viens. Maintenant, si ce président arrive en Guinée, vous savez où il va partir, c'est au port autonome de Conakry. Là-bas même. C'est pour partir visiter les installations de Bolloré, Conakry Terminal. Bolloré. Bolloré, vous connaissez la situation de Bolloré. Bolloré qui est présent à Conakry, qui est présent à Lomé, qui est présent je ne sais pas où. Oui. Qui doit même être emprisonné. Je pense, bon, en tout cas, il doit être emprisonné en France là-bas. Alpha Condé, lui, il n'a pas honte du tout. Je vous jure, 10 ans. 10 ans. On appelle la Guinée château d'eau d'Afrique occidentale. Scandale géologique. Alpha Condé n'a pas ce kilo, il n'a pas le pouvoir de construire ou en tout cas de travailler au port autonome sans donner aux Turcs, sans donner à Bolloré. Aujourd'hui même, les travailleurs qui sont au port là-bas, ils sont colonisés. Maintenant, ces installations, Alpha Condé envoie les présidents là-bas. Regardez, la Guinée, c'est ça, c'est ça. Pour lui, la Guinée s'est limitée au port autonome de Conakry. C'est ce que j'ai dit l'autre fois. J'ai dit bienvenue à Conakry, port autonome, parce que la Guinée s'est limitée là-bas. En Guinée, il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. J'ai vu une photo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Alpha Ousmane Diallo Bissau, muito obrigado, irmão. Maintenant, j'ai vu ça et il y a la pluie qui l'inonde. Il est avec sa brouette. Il est là avec, 20 bidons, on a vu. Parce que la photo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il y a l'eau partout, partout, partout. Il y a l'inondation, mais dans les robinets, il n'y a pas d'eau. Ça, c'est le pays d'Alpha Condé. La République Sondja est tempérée. Et après ça, à Cancan, j'ai suivi le lancement d'une entreprise de gardiennage où ils faisaient des karatés, des combats, en tout cas une formation purement militaire. Purement militaire. Cette formation, c'est une formation purement militaire. Vous vous imaginez les services de maintien d'ordre de l'UFDG. Quand voilà, nos commandos faisaient des formations comme ça avec des petits, les enfants comme ça. Ils ont pris ça. Oh, c'est Loudalen Diallo veut organiser la rébellion en Guinée. C'est sorti ici. C'est formellement interdit pour faire une formation militaire qui n'est pas, si tu n'es pas un militaire ou bien une équipe qui n'est pas, une équipe militaire. Maintenant, à Cancan, là-bas, il y a une entreprise de gardiennage, mais qui fait une formation militaire. Tu vois? Et puis, devant les caméras, ils font... Là, il n'y a pas de problème. Je vous ai toujours dit, si c'est chez nos amis malinqués, il n'y a pas de problème. En Haute-Guinée, il n'y a pas de problème. J'ai des amis, j'ai une famille malinquée. Moi, je ne peux en aucun cas détester les malinqués. Je ne déteste pas les malinqués. J'ai une famille malinquée et j'aime tellement cette famille. Parce que cette famille a beaucoup fait pour moi. Donc, la mari famille malinquée. Donc, moi... Mais aya maninga ande mi aya maninga jangolan andi ka IFDG j'ai des amis malinké. Dans ma propre famille, la mère famille malinké. Moi je suis 100% guinéen. Je parle malinké. Je parle polar, je suis soussou. Je parle Kissi. Où est le problème? Moi je suis 100% guinéen. Je suis 100% guinéen. Je suis 100% guinéen. Donc le dictateur criminel Alpha Condé, comme c'est en Haute-Guinée là-bas, si on a vu en Haute-Guinée les armes, on a vu en Haute-Guinée les donceaux ont tiré sur les gendarmes, qui a entendu? On n'a rien entendu maintenant. Depuis lors, c'est fini.
Vous vous imaginez si c'était au Fouta, chez nos amis Peul. Si c'était au Fouta, je vous jure, ils allaient dire, eh, c'est Lourdes Alain Diallo qui a envoyé les terroristes en Guinée-Conakry. Oh, maintenant, communiqué du ministère de l'administration du territoire, communiqué du ministère de la justice, communiqué de la primature, communiqué de la présidence, communiqué c'est que, de la gendarmerie, débafou tout le monde. Hé, hey, il y a les terroristes qui sont là. Parce que c'est chez nos amis Peul, c'est la région, Mouen Guinée, là-bas. S'ils sont là-bas, c'est des sérieux problèmes. Si c'était là-bas que les donjons ont été. Bon, ont reçu des balles. Mais comme c'était en Haute-Guinée, il n'y a pas de problème. Là-bas, Alpha Condé n'a pas envoyé les terroristes. Oui, là-bas, Alpha Condé n'a pas envoyé les terroristes. Mais il faut dire la vérité que nos amis Peul souffrent. En Guinée, nos amis Peul souffrent tellement. Il faut qu'on dise la vérité. Tu pars dans l'administration, tu pars là-bas, on te regarde d'abord. Si tu es beau, on dit, il faut la l'étendre. En cas quand les vraiment nyanyine, à la ko nyanyine, en cas quand les à la ko nyanyine, il faut la aller. Nos amis Peul souffrent, je vous jure. Billahi. Tu pars à la primature ou bien tu pars dans un ministère. Tu as tes conteneurs qui sont arrivés au port. Au niveau d'abord faire des démarches à la douane, direction générale de la douane. Toumani Sangaré et ses équipes te regardent d'abord. En cas quand les cas la cognac, il faut l'été, Diallo l'été, Barry l'été. Oui, Barry l'été. C'est très très déplorable pour la Guinée. Maintenant, vous ne voulez pas qu'on dise la vérité. La Guinée, si un wakili, c'est un wakila qui harait toujours Kosama Kaladjo Kouden. Ou un wakili, qui a 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 un wakili, Foul bébé no songi, vrai, administration yi, ndaratoum, sa yé yitong, par exemple, continuer di madin yi, yuika por, ari, obe ndarata, si da laba, madou cheve di madin, ma ware mande no woni rini, wa ware l'enfant de kanya, ben ha, anga kan lika yinako, nyan yinende, foula leti, ben ha, yu mendare, odo ko pou lo nigo, parce que langan di konombe ko lirta, e fala ka non men hala, menen non men wata halde, men wata fankude, men hala, men hala dey ko ben dara taw madum sa do sa sege sida woni galfe ben dara ha fula le tindi ko dum don woni realite la gine fewndo do e di moneji fop enen kade ngine en joto waaway jonen Allah waaway babe wujji en hikka kade yare toujours ko en jonno Allah en yi Uganda ko feddi no ton ka en yi Uganda Bobby Wine ha ni mo continue combat on ha ni équipe mako no woni équipe dynamique. Voilà qui n'est donné, wa IFDG ko organisera ni. Guinée no songi, objectif c'est Lourdes Alain Diallo na arugol défendre gol ful bebeng. L'objectif de Lourdes Alain Diallo c'est pas de venir sauver les peuples, c'est de venir sauver les Guinéens. Lourdes Alain Diallo le sauveur. La musique est là, la musique de Ibé. Du jeune IB. Je vous jure, je vais essayer de partager le Wi-Fi. Certainement, je vais voir si c'est possible que je parte sur YouTube à travers mon ordi pour voir. Je vous jure. Vous allez écouter la musique. Tellement que les gars ont bouché sur la musique. Ils ont chanté pour Elas Elou Dalen Diallo, Adjal Matou Dalen Diallo, pour l'avocat international de son excellence. Elas Mamadou Selou Dalen Diallo, pour le contrôle 100% IFDG, Selou Balde, Figo. Bouakarangola, monsieur Abdul Karim, le secrétaire fédéral IFDG England, Angleterre, plusieurs personnes, docteur Fode Ousou Fofana, tout le monde. Mais acceptons de dire la vérité. C'est un halal gonga, combo halanta en gonga. Areko samakala jokuden, hakunden, Allah. Continue liton, oh injustice, yagal, continue à ta l'annaï. Voilà. Après, je me prépare aux musiques, je continue de dire sujet. Maintenant, deuxième sujet, je vais vous parler de la maritime.
ko fi yewtu gol plan ko be addi kon e don andi be addi plan go e be addi plan go fi PSG gol won be contre Alpha Condé donc din plan ji don noton e be addi plan ji buy fi PSG gol won be contre Alpha Condé din plan ji buy noton waka madame Ramatoulaye Conté que je soutiens ma sœur Ramatoulaye Conté et donc Andy acha de lang fa la partage de woni ici non voilà Beya, Kouroumine, notre blogueur, je dis ça à tous les blogueurs, de faire beaucoup, beaucoup attention. Que ce soit les blogueuses ou les blogueurs, tout le monde. Surtout, nous qui sommes là pour défendre le peuple de Guinée. Oui, nous qui sommes là pour défendre le peuple de Guinée. Maintenant, les blogueurs qui sont là, qui sont de l'opposition, même si vous n'êtes pas de l'UFDG. De faire beaucoup attention. Pourquoi? Voilà. Connecté, c'est bon. Maintenant, de faire beaucoup attention. Le cas de Madame Ramatoulaye Conté, ma sister Hadja Ramatoulaye, vous lui connaissez, elle parle souvent en soussou et en français. Elle est aux États-Unis, donc elle se débrouille pas mal. Elle continue de lutter contre le dictateur Alpha Condé. Donc, vous connaissez... En tout cas, à l'heure là, il y a un autre frère... Ja Rule et d'autres personnes. On est là, on défend la Sista parce que, comme elle lutte contre le dictateur Alpha Condé, on veut lui piéger... Pour dire, ouais, il y a un mec qui est venu, un monsieur, un homme malhonnête, un certain Bangoura. Donc à travers M. Ja Rule, après les explications, pour dire, ouais, ils veulent avoir une relation, mariage, des trucs comme ça. C'est pourquoi dans tout projet, que ce soit projet de mariage, amitié ou autre chose, il faut faire beaucoup attention. C'est très important. C'est très très important de faire beaucoup beaucoup attention. Je vous jure. Maintenant, le cas de Ramatoulaye, ils ont dit que voilà, le mec a dit qu'il a les photos de Madame Ramatoulaye, des trucs comme ça, là où venir non Watumana depuis et des trucs comme ça. Des trucs vraiment purement bizarres, quoi. Voilà, mais nous n'en faut, c'est politique. Je sais, tout est politique. Nous n'en cas là qu'on est donc politique, mais voilà, nous n'en faut, on y fait tout n'ingol. C'est bon, tigiti gon fi ron kingol mo gol makko ko on est wadé kon, ben na wo ben tout ni mo image makko. Donc car essentiel, donc min ko mi wata lande jama on noku, surtout un blogueur ben wado ben vidéo min. Fernando, alors là, sur ma page ici, personne ne peut m'écrire. Donc là, je demande d'abord pardon aux militants de l'IFDG et aux personnes de bonne volonté, peut-être, qui veulent m'encourager. Merci pour le combat. Mais je sais, donc, nous n'avons pas eu une année, nous l'avons vrai. Mais derrière, nous n'avons pas eu une année, nous l'avons chéri. Non, mais là, nous l'avons déjà, moi, mais là, il faut bien dire. Lan jobbi debbo welo lan meden famondiri meden yidindiri sege sibe inni ware ko piège gol lan fande kanne sharata ko bandigi ni rebe adata indugol windugol kapazan ko fi non j'ai bloqué ma page, personne ne peut m'écrire, j'ai pas le temps, je ne sors pas, j'ai pas une petite amie, si j'ai une petite amie c'est ma femme, si j'ai une amie c'est ma femme, donc je m'emballe, à part ma femme personne. On s'aime, on vit. C'est qu'on vit tranquillement. Pourquoi sortir, aller chercher des problèmes ailleurs? Donc, quoi l'angol, c'est bien, 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 c'est bien,
copier ce gol l'avocat international c'est l'audal en jalo arata o be trouver les solutions vous sinara be dumana be ka Facebook o be parce que même pas en faut que nous abonnés c'est pas grave mais fin de me bloquer personne ne peut m'écrire sur ma page vous voyez hein? Donc pour m'écrire il faut partir d'abord sur Morlaix UFDG là ça c'est mon compte. Donc là aussi si tu m'envoies pas, si tu m'envoies l'invitation si j'accepte. Si tu m'envoies des bêtises, je te bloque. Oui, c'est comme ça, ça passe. Parce que je ne sais pas pourquoi un homme marié comme moi peut sortir ailleurs, déjà ta femme. Tu vois une femme, il y a des bogoare, des bono là-bas. Ça y est, des bogo, par exemple, il y a des bogo là-bas. Donc, ma femme est plus belle que cette dame-là. Parce que si je n'ai pas de conditions, il faut au Bengouan, au Moro, ce qui est qu'il faut là. Donc, car elle a ni, on est plus belle bourgeois avant de bordon. Maintenant, pourquoi sortir, chercher, d'entendre ici. Je sais, les hommes qui sont populaires, comme nous, il y a les femmes qui vont là, qui viennent de tout. Non, ça, c'est ça, ça voilà, on connaît tout ça. Mais, ça, c'est. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Mais, dans les conditions normales, si tu es comme ça, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Ils veulent ruiner Madame Hadja Rahmatoulaye parce qu'elle est battante, elle se bat pour dire on a sa photo, des trucs comme ça. Non, moi je la soutiens. Hadja Rahmatoulaye, je la soutiens et je suis de cœur avec elle. Parce que c'est une dame battante. Pour faire des vidéos, laissez que les femmes méritent du respect. On doit respecter les femmes. Les femmes sont nos mamans. Ouais, hors de la politique. Pour dire, ouais, comme elle fait des vidéos, vous voulez la salir, faire des vidéos contre elle, pour dire elle est comme ça. Et voici ses photos où elle est. Je ne sais pas, je ne peux même pas prononcer ces arguments. Maintenant, moi, tout ce que je peux dire aux blogueurs et blogueuses de l'opposition, c'est de faire beaucoup attention. La meilleure des choses, c'est d'être fidèle. C'est d'être fidèle. Moi-même, s'il y a le courant ici, je n'ai même pas le temps pour ça. Je quitte le travail, je suis chez moi. Si je dois sortir avec les collègues de travail, je ne pars pas seul, je pars avec ma femme. Ma femme, elle n'est pas là que pour rester à la maison. Non, non. Elle n'est pas là que pour rester à la maison. Partout où je suis avec ma femme. Je l'ai épousée, c'est mon amie, c'est mon épouse. En tout cas, c'est tout quoi. Maintenant, c'est ce que tous les hommes doivent faire. Vous allez voir certains hommes ou certaines femmes qui tombent dans ces arts de piège. D'abord, il faut épouser une femme que tu aimes. C'est ça, moi j'ai épousé une femme que j'aime. Il faut épouser un homme que tu aimes. C'est tout. Après, ça c'est fini. C'est pourquoi j'ai dit, tout ce que tu fais, il faut demander à Dieu de te mettre sur le bon chemin. C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Il faut faire beaucoup attention, les blogueurs de l'UFDG, les blogueurs de l'opposition. Sortir avec cette femme, bon, il y a les mecs qui ne sont pas mariés, oui, parce qu'eux aussi, ils ont des besoins biologiques, c'est normal. Mais même si tu n'es pas marié, ou même si tu es marié, il faut rester avec ta femme, c'est fini. C'est ça l'essentiel. Pourquoi être marié et sortir avec d'autres femmes? Tu veux juste te créer des problèmes. C'est pas normal. Maintenant, si tu n'es pas marié, comme mon frère Pai Kounsare, je l'ai dit de se marier, mais on va le chercher. Il va forcément se marier. Donc, c'est ça. Il va forcément se marier. On va trouver une solution pour lui. Maintenant, les hommes qui ne sont pas mariés, les blogueurs qui ne sont pas mariés, il faut avoir juste une seule copine. C'est fini. Mais une copine de confiance. Tu sais, ouais. Parce que là, c'est obligatoire pour tous les hommes. Parce que ça, c'est les besoins biologiques. Maintenant, sortir avec tel pour dire que tu veux connaître toutes ces femmes-là, tu ne pourras pas. Aucun mec ne peut connaître toutes les femmes. Pour moi, aujourd'hui, s'il y a une femme la plus belle, s'il y a une femme qui est belle, c'est ma femme. Ma femme est la plus belle femme de toutes les femmes du monde entier. C'est ça. Si t'es pas marié, t'as pas les moyens de te marier. Il faut avoir juste une copine, ouais. Mais même avoir des copines comme ça, mon frère,
ce que tu donnes à ta copine, ta femme, tu ne gaspilles pas ça. Même moi, parce que moi, avant même que je me marie, j'ai compris finalement que le mariage était la meilleure des choses. Je me disais, j'avais tellement peur pour dire, si je me marie, je ne sais pas, est-ce que je vais avoir l'argent, des trucs comme ça, ou peut-être donner 5 000 CFA, 10 000, des trucs comme ça. Je me disais, ah, mais, mashallah. Donc, si tu te maries, tu es libre. Mais mon frère, si tu es célibataire là, tu as de gros problèmes, je te jure. Ça, c'est juste, voilà, entre guillemets, donner de conseils à mes frères. Et à mes frères blogueurs de l'opposition de faire beaucoup attention. Moi, j'ai bloqué ma page que personne ne peut m'écrire. Personne. Je sais, il y a les militants de l'IFDG qui n'ont pas mes numéros, qui veulent me contacter, qui veulent m'encourager via ma page Morla ici, là, l'enfant de Kania. Mais je l'ai bloqué pour la mesure de sécurité. Voilà. Parce que parfois, il y a les gens qui m'écrivent. Il y a les gens qui m'écrivent des trucs comme ça que j'ai pas aimé, j'ai bloqué ma page.